Victor ! Victor, il y a un problème ! Quoi ? Qu'est-ce que tu as à crier comme ça ? Il y a un problème. Quatre hommes, trois femmes. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Il est impossible de faire un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ah oui, effectivement, ça valait bien la peine de crier comme ça. Oh, ne te moque pas de moi. Mais je ne me moque absolument pas. C'est un casse-tête auquel Madame Churchill doit être confrontée tous les jours. Oh non, pas aujourd'hui. Ou si ce n'est tous les jours, au moins toutes les semaines, pour les réunions d'état-major, tu penses bien ? Pas une femme, alors un garçon, une fille, un garçon, une fille. Avec ou sans ? Avec ! Tu as raison, sans. En plus, elle est moche. Oh, c'est moi qui te l'ai offerte ! Ah bon ? De toute façon, je n'avais pas l'intention de m'habiller. Oh, s'il te plaît, fais-moi plaisir et mets une cravate. Je ne vais pas me gêner avec eux. Allez, mais habille-toi pour une fois. Mais ils ne s'en apercevront même pas. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. Et puis si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour les asperges, le rôti, les œufs, le vrai café. Arrête, arrête, je vais me sentir obligée de mettre un smoking. Oh. Oh non, non, tu piques. Mais arrête, je vais être toute rouge. Elle va au moins te raser. Je me suis rasée ce matin. Ah ben, il faut croire que ça repousse. Si tu crois que c'est facile de se raser sans savon, avec un rasoir vieux de 2 ans. Arrête de ronchonner et va te raser. Ah, ne me bouscule pas. Et où as-tu mis mes cigarettes ? Ah, ne cherche pas, j'ai confisqué ton paquet. Tu en as déjà fumé 5 aujourd'hui. Et les mégots ? Je les garde. Je te les donnerai un autre jour, un jour de mauvaise humeur. C'est tout de même rageant de ne pas pouvoir se procurer de cigarettes. Oh, on m'en propose 10 fois par jour au marché noir. Oui, mais à quel prix ? Après la guerre, tu prendras ta revanche. Après la guerre ? On entend cette phrase à longueur de journée, après la guerre. Et après, ce sera quand les affaires reprendront, comme avant la guerre. Tu verras, après la guerre, ce sera pire. Oui, mais avant, tu ne fumais presque pas. Avant la guerre, la vente était libre. Maintenant, quand j'allume une cigarette, j'ai l'impression de commettre un crime. J'adore ça. Tu es un gros égoïste. Moi aussi, j'aurais toutes les raisons de me plaindre, mais je ne me plains pas. Non. Oh, je suis si heureuse aujourd'hui. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Tu n'es pas jaloux ? Je l'étais au début. Maintenant, après 5 ans de vie commune. Oh, ben, méfie-toi. Ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh, docteur, pile à l'heure, je savais que c'était vous. Bonsoir les tourtereaux. Je ne suis pas trop en avance. Pas du tout. Mais vous êtes seul. Oui, Madeleine vous prie d'excuser, elle n'était pas en état. Rien de grave. Non, 3 fois rien. Ah, très élégant la chemise ouverte. Ah, tu vois qu'est-ce que je disais. Merci. Et toi, Sophie, en ce grand jour, comment te sens-tu ? Oh, comme une pauvre petite qui va avoir 1 an de plus d'une minute à l'autre. Aussi, on m'avait dit ça l'année dernière. Sophie, tu es magnifique. Qu'est-ce que ça sent ? Oh, ne bougez pas. Et interdit d'entrer dans la cuisine. Ah, vénard, va. Oui, c'est ce que je me dis tous les jours. Alors, je te pardonne. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bas de soie. Non, une seule ? Comment ça, une seule ? Tiens, voilà les miens, mais moi, elle pourra s'en faire un éventail. 3 paires ? Ne te vexe pas, je suis le mari tout de même. Oh, je ne me vexe pas, c'est juste qu'elle va être déçue. Mais pas du tout, elles adorent ça, surtout en ce moment. Et pour être précis, 3 paires et demi. Qu'est-ce que tu as fait, jambes manquantes ? Ah, ce n'est pas moi, c'est l'officier qui me les a vendus. Je n'ai pas osé lui demander ce qu'il avait fait de l'autre, tu penses bien. Un officier allemand? Oui, allemand. Tu as remarqué comme l'officier anglais se faisait très rare en ce moment. Oui, 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 je m'étonnais, c'est tout. Quoi, ça t'étonne que tes amis de la Wehrmacht fassent du marché noir? Ce ne sont pas mes amis. Je m'accommode du temps qu'il fait, voilà tout. Quand il fera beau, je ressortirai mon Panama. En attendant, je me couvre. Oui, tu te couvres, je sais, tout le monde le sait. Fais attention que le vent peut se mettre à tourner dans l'autre sens. Ne t'en fais pas pour moi, il n'y a pas de risque. Tu as eu ? Non. 254 déportés, rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. C'est le maréchal qui doit être content. Où est-ce qu'ils envoient tous ces gens, tu crois ? Moi, je n'en sais rien. En camp de travail, est-ce
que l'on dit. Mais tu sais, il s'agit surtout de gitans, de gens pas très fréquentables, si tu veux mon avis. Jean-Paul, ce soir, pas de politique. Pour Sophie et puis ce qu'on dit dans les journaux. Toi, tu es pire que tout. Tu as confiance en personne. Vous parlez encore de la guerre. Ah non, 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 pas aujourd'hui. Je compte sur vous, docteur. Et toi, Victor, si je vais mettre une cravate. Et tu ne te changes pas? Je vais mettre une cravate, c'est pareil. Tiens, ton cadeau avant que les autres n'arrivent. Joyeux anniversaire! Je peux? Qu'est-ce que c'est? Un cochon de lait. Mais ne le dis à personne, j'irai en prison. Oh, est-ce que vous êtes bête? Victor, viens voir! Jean-Paul m'a apporté un cadeau! Non, mais sérieusement! Une surprise! Victor! Oh, ce qu'il est lent! Vous avez vu le salon? Victor s'est mis dans la tête de mettre des morceaux de journaux sur les vitres pour éviter les éclats de verre en cas de bombardement. Ça fait 2 ans que nous sommes en guerre et c'est aujourd'hui qu'il y pense. Comme c'est laid, on dirait des pansements. Et puis, les gens vont croire que nos vitres sont cassées et que nous n'avons pas les moyens de les remplacer. Il aurait dû le faire depuis longtemps, avec ces maudits Anglais. Qu'est-ce qu'il y a? Un cadeau du docteur. Oh! Oh, débat! Oh, mais c'est magnifique, vous avez fait des folies! Non. Allez, je vous embrasse! Allez, une bise par bas! À deux! Ah. Tiens, voilà les miens! Oh! 3 autres paires! Et demi, au cas où tu enfiles un! Ah, ce n'est pas idiot, ça! Mais tu aurais pu faire un paquet, ça aurait été plus gentil! Dis-moi, c'est le papier cadeau que tu veux mettre ou les bas? Oh, est-ce qu'il est ronchon? Merci, mon amour. Oh, j'y vais! J'y vais, j'y vais! Au cas où tu enfiles un? Oui, ça m'est venu comme ça. Bonsoir, messieurs. Oh, merci. Merci d'être venus. Allons, Sophie, nous aurions manqué sous aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Oh. Même s'il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite. Oh, n'écoute pas ces deux rabat-joie, Sophie. Bonsoir, docteur. Il a raison, ne change surtout pas, tu risquerais de nous ressembler. Et ce serait dommage. Ma petite, tu es sublime. Pierre, elle porte une robe transparente. Vincent, ne commence pas avec tes âneries. As-tu es là, Victor? Oui, oui, j'ouvre les vins avant que tu ne me le demandes. Ce ne sont pas des âneries, on voit tout. Ce n'est pas vrai, Pierre, elle porte une robe tout à fait décente. Bon, tu sais, pour moi, Sophie, et surtout comme je me l'imagine. Arrête, tu me fais peur. Ah oui, là, tu peux. Là, par exemple, Sophie porte... Mais mon Dieu, elle ne porte rien. Mais quoi? Pierre. Mais je t'assure que d'ici, tu es complètement nue. Oh, arrête. Mais veux-tu te rhabiller? Mais que fait la censure? Sophie, joyeux anniversaire. Oh, oh, elles sont sublimes. Je suis obligé de te croire sur parole. C'est la fleuriste qui les a choisies. Donnez-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine. Pour le reste, je lui ai fait confiance. Ah. Eh bien, écoute, c'est parfait. Ah oui, elles sont magnifiques. Hein. Vincent, regarde-moi cette belle bande d'hypocrites. Tulipe blanche, je sais bien. Oh, est-ce qu'il est bête, celui-là aussi? Vous étiez prêt à couvrir une fleuriste que vous ne connaissez même pas. Ben oui, la pauvre. Oh, mes amis, cette attitude vous honore. Pour qui tu nous prends? En tout cas, tu la féliciteras. Et Victor, donne un coup de main à Pierre. Ne vous dérangez pas, je connais la maison. Oh, pas de cérémonie, chacun se débrouille. Hein. Bon, Pierre, tu permets. Regardez-le. Ça fait 5 minutes qu'on ne s'occupe plus de lui. Il est jaloux. Ce n'est pas vous, c'est Pierre. C'est bien simple, depuis qu'il est revenu du front, on ne peut plus en placer une. Vincent. Sophie, ne commence pas à le défendre. Je t'assure qu'il n'a pas besoin de toi pour ça. Donc, ma petite, pour tes 30 printemps, les denrées les plus communes se faisant les plus rares, j'ai cru bon de t'offrir... Oh, du sucre! Oui, vous avez devant vous la victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Où donc est-il encore allé traîner sa vertu? Tu me connais si bien. Non, pas cette fois-ci. Ça vient d'un de mes élèves. J'ai simplement fermé les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeune veau pour ne pas arriver les mains vides. Et ce n'est pas tout. Grande fine cognac, 6 ans d'âge. Et voilà pourquoi la France a le foie malade. Et ce n'est pas à Vichy qu'elle se remettra. Ah, ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Madeleine n'est pas là?
Non, elle est malade, une indigestion. Mais elle vous embrasse tous. Une indigestion. En période de vache maigre, ça fait mauvais genre. Mmh. Surtout pour un médecin. Oh, mais vous avez fini, oui. On plaisante. Ah, mais ne rigolez pas avec ça et que ça reste entre nous. Si jamais on apprend que la femme du docteur est malade, toute ma clientèle affiche le camp à la concurrence. Quelle concurrence ? Ah, oui, c'est vrai. Il faut reconnaître que ces temps-ci, mes confrères ont une fâcheuse tendance à préférer le sud de la Loire. Que veux-tu ? Sans doute une question de climat ? Bah, sans doute. Je ne vois que ça. Voyez, Toubib, moi je fais des fautes d'orthographe en pagaille. Bah, ça n'empêche pas Victor de vendre des livres. Mais comment ? L'éducation de cette petite est encore à parfaire. Ah, l'éducation, je ne sais pas, mais l'orthographe, c'est certain. Quand elle me laisse des mots, j'ai l'impression qu'elle parle une langue étrangère. Oh, tu exagères. Il plaisante. Ne te laisse pas faire, Sophie, c'est un rigide. Je bois au barbarisme de Sophie et aux indigestions de Madeleine. Ah, merci pour elle. À Madeleine et aux Allemands. Jean-Paul. Ah, parce que eux, en revanche, ils se portent à merveille. Et la Russie est en... Docteur. Pas de politique. Quoi ? On est en train de rayer la Russie de la carte du monde et on peut même pas en parler. Docteur, à la santé de Sophie ! Comme vous voudrez. À la santé de Sophie. À Sophie ! On pourrait faire une petite partie de cartes après le dîner. On jouera nos tickets de rationnement. Petite belote avec un petit cigare comme au bon vieux temps. Ah. Désolé, Pierre. Oh, ne sois pas désolé, je n'ai jamais aimé les cartes et les cigares non plus, d'ailleurs. Oh, menteur ! Ben, que veux-tu ? J'ai appris à me passer de ce que je n'avais plus. Ça ne te ressemble pas. Max, nous rejoint ou pas ? Il a dit qu'il essaierait, mais tu sais, depuis que son frère s'est fait arrêter, il passe ses journées devant le siège de la Gestapo. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, mais ça va pas, non ? Ben quoi ? On n'a plus le droit de chanter la Marseillaise ? Ça n'est pas très conseillé, figure-toi. Oh, Françoise, je suis contente que tu aies pu venir. Bon anniversaire, ma belle. Tu exagères, on aurait pu t'entendre. Oui. D'autant plus que je crois qu'on m'a suivie. C'est pas vrai. Mais non, détends-toi. Je vais tout de même aller fermer la porte à clé. Mademoiselle. Tu es de plus en plus beau, toi. Quel gâchis. Ça va ? Oui, ça va. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Bien sûr que ça va. Ça va, mon Pierrot ? Toujours quand je te vois. Mademoiselle Françoise. Comment allez-vous ? À merveille, merci. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils ne savent pas vivre. Mais vous êtes ravissant. En tout cas, je commence à comprendre pourquoi tu as demandé à Madeleine de ne pas venir. Mais ce n'est pas moi. Faites pas attention, Jean-Paul, il est jaloux. Je suis désolée, j'arrive les mains vides. Oh, ne t'en fais pas pour ça, il y a tout ce qu'il faut. Ah ! Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des réseaux longs comme le bras. C'est pour moi que tu dis ça. Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. En tout cas, c'est pour lui qui l'a pris. Hein. C'est complètement faux, c'est Sophie qui s'occupe de tout. Eh, remarque, ça vaut mieux, elle a des arguments que tu n'as pas. Maquis de la Haute-Savoie. Victor, et ça, ce n'est pas de la politique ? Ça n'est pas moi. Londres, les derniers plaisirs d'un infirme, docteur. Oui, bah elles ont bon dos, vos excuses. Je vous demande pardon de m'emporter, mademoiselle Françoise, mais ils m'interdisent de parler politique depuis tout à l'heure. Pierre. Et dès que j'ai le dos tourné... Pierre, arrête donc de taquiner Toubib et mets-nous un peu de musique. Ah. Françoise. Ah. Mais il danse comme un professionnel. Mais je ne suis pas encore ivre. Vous verrez tout à l'heure. Tu as l'intention de t'enivrer ? Oh, j'espère que j'y arriverai. Victor, tu permets ? Oh, je t'en prie, je n'ai jamais aimé ça. Ah, ça, on le saura ? Il ne m'a même jamais emmené danser. Oh. Alors, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Attention, derrière toi, c'est la vieille école. Éteins la radio ! Oh, c'est toi ! Oh, mais tu nous as fait une de ces peurs ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Je t'ai bien eu, hein, Rondouille ! Oh, mais tu ne te rends pas compte ! Ce ne sont pas des choses à faire en ce moment ! Bah, si ! Bah, après la guerre, ça n'aura plus aucun sens, faudra que je trouve autre chose.
Allez, arrête de faire ta pimbèche, embrasse-moi. Monsieur André. Mademoiselle Françoise. Pas cacher votre joie, vous allez me faire rougir. Commence pas à la taquiner avec tes blagues idiotes. Évidemment, ça surprend toujours. Un vieil ami qui n'avait même pas été invité. Je croyais que tu étais en province. Allez, allez, à d'autres. Et comment allez-vous, docteur? Oh, bah faites pas cette tête-là. Ich bin nicht deutsch, ich bin Franzose. Ouais, bah pour le bon goût, hein, vous repasserez. Hein. Ah, tiens, Pierre, toujours... Aveugle, oui, toujours. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez, en voilà un qui a perdu la vue, mais qui a gardé son sens de l'humour. Ah, avec vous, il faut bien. Flatteur, Vincent. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous aime bien. Mon Dieu, il est gris. Non. Mais j'ai décidé de prendre la vie et son cortège d'inconvénients du bon côté. Et croyez-moi, si vous voulez, ça me réussit plutôt bien. Ah, mais nous vous croyons volontiers. Ah, je sens une pointe d'ironie dans vos propos. Mais je vous le répète, en ce moment, tout glisse. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir été invité à l'anniversaire de ma petite Sophie. Oh, tu ne vas pas recommencer. Puisque je te dis que je croyais... Allons, allons, je taquine. La preuve, j'ai apporté avec moi de quoi festoyer dignement. Parce que je ne voudrais pas critiquer, mais c'est pas les banquets du château de Versailles, ici. Je te rappelle que c'est la guerre. La guerre? Eh ben justement. Et le marché noir, c'est fait pour les iguanes? Oh, ne lui parle pas de ça, ce n'est pas de sa faute, il n'a jamais su y faire. Ben, et t'es bas, alors? Des bas? C'est pas avec ça que tu vas nourrir ta petite femme? Attention, les yeux! Saucisson de lion. Oh! 4 tablettes de meunier. Ah, il n'y en a que 3, il en manque une. Il voulait en garder une pour lui. Terrine de canard. André, les cornichons. Ah non, j'ai pas de cornichons. Vous reviendrez. Et ça, professeur? Chanel numéro 5. Non, Livaro. Oh, je confonds toujours. Et le petit plus de la maison? Magnum de champagne. Oh. Dans Pérignon, bien sûr. Oh, mais c'est ce que j'aime le plus au monde. Oh, tu peux me croire, tu peux mettre mon couvert. Il n'y a pas à dire, vous, vous savez y faire. Ah, mais je n'ai aucun mérite. Je n'ai qu'un baiser. C'est fou ce que l'acier est à la mode en ce moment. Ils ne jurent que par ça. Qui ça, ils? Bah, eux. L'acier, l'acier, l'acier. Ce n'est pas la morale qui vous étouffe. La morale? Et eux, ils en ont une de morale? Non, inutile de se flageller, les temps sont assez durs comme ça. Ah, pas pour tout le monde. Ah, mais ne croyez pas. À la guerre comme à la guerre, je ne leur fais grâce d'aucun sou. Si vous croyez que c'est facile de négocier toute la journée la peur au ventre, non, je suis pas le moins à plaindre. À ma façon, moi aussi, je fais de la résistance. Venez là, entrez, venez là. Mais je viens, je viens. N'ayez pas peur. Mais j'ai pas peur. Mais qu'est-ce qui vous prend? À défaut de le voir, je voulais savoir à quoi ressemblait un résistant. Oui, c'est ça, moquez-vous. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré en parlant de résistance. Ah, 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 enfin, il avoue. Et j'avoue, je serais bien incapable de supporter le quart de ce qu'ils font. Moi, j'ai besoin d'un minimum de confort. Si je n'ai pas mes 3 repas par jour, je dépéris. Ah, ce serait dommage. Et si nous passions à table avant qu'André ne tourne de l'œil? Enfin une bonne parole! Alors, vos prénoms sont inscrits devant vos assiettes. Oh, pas de cérémonie, chacun s'installe où il veut. Mais je me suis embêtée à inscrire les prénoms, et... Ne nous ennuie pas avec ça, s'il te plaît. Et puis moi, je reprendrai bien un apéritif avant de passer à table. Oui, mais tout est prêt. Juste 5 minutes. Tu n'as pas fait un soufflet. Bah si, justement. Eh bien, laisse le temps de gonfler encore un peu. Victor, arrête de lui parler comme ça, tu vas nous la faire pleurer. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Des topinambours. Oh, bah c'est bien mal me connaître. Je plaisante. Sophie, on t'écoute. Un soufflet aux œufs. Des œufs? Des vrais? Oui, des qui cassent. Mais où est-ce que vous avez eu des œufs? Par relation, je connais une poule. Très drôle! Ah si, je la recaserai. Pour ça, il faut avoir des œufs. Ah, juste. Je peux finir? Bon, vous aurez droit ensuite à des asperges, des tomates, des poivrons, du jambon, un rôti de bœuf et ajoutez à cela le panier d'André. Ah, je lève mon verre à André! À De Gaulle. Ah, s'il vous plaît, on n'a dit pas de politique. Et surtout à Sophie. À Sophie! Ha ha.
Mon Dieu, c'est à croire que la guerre est finie. La chair est bonne, le vin coule, et les femmes sont jolies. J'ai envie de casser un verre. Vincent, tu feras ça chez toi. Je bois à la paix. Attendez, attendez, je vais immortaliser ce moment. Vincent, allez me chercher le guéridon. J'ai apporté avec moi une petite merveille que m'a donnée... Non, je vais pas dire d'où ça vient, ça risquerait de plomber l'humeur. Allez. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais vu. Bah, moi non plus, qu'est-ce que tu crois? On ne touche pas. Caméra 16 mm, Movex. Et c'est américain? Ya, yeah, ya. Yeah. Et vous savez vous en servir? Mais bien sûr, vous allez voir. André se prend pour Abel Gance. On ne se moque pas, Victor. Vous savez qu'il faut de la pellicule? Mais il y en a, et en couleur. Ça n'existe pas, André. Allez, allez, installez-vous. J'arrive. Victor, tâche-toi un peu. Attendez. Voilà. Bon, ça marche là ou pas? Si, si, ça tourne. Qu'est-ce qu'on dit? Ce que tu veux. De toute façon, il n'y a pas de son. Alors, à la paix. À la paix! On ne peut que se féliciter de ces opérations commanditées par le maréchal lui-même et qui, à terme, devraient... Jean-Paul, pas de politique. À 254 déportés, ce n'est pas de la politique, c'est de l'arithmétique. Et puis en ce moment, si on ne parle pas politique, de quoi veux-tu qu'on parle? Il n'a pas tort, à moins que tu nous donnes des sujets de conversation. Et si vous parliez du temps qu'il fait? Ah, je sens qu'on va vite tourner en rond. Vous n'avancerez pas plus en parlant de la guerre. Quoi qu'il en soit, je te conseille de sortir le moins possible. Les Cheleux sont un peu nerveux en ce moment. Hier soir, devant mon immeuble, ils ont arrêté un vieil Israélite. Ils l'ont ordonné de s'enfuir. Et quand il s'est mis à courir, ils l'ont abattu d'une balle dans le dos. Tu crois qu'ils pourraient agir comme ça contre nous un jour? Ça, je n'en sais rien, mais comme ils sont très agités en ce moment, il vaut mieux être prudent et sortir le moins possible. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas à me plaindre. Si j'osais, je dirais même heureusement qu'ils sont là. C'est vrai, ça, qu'est-ce qu'ils lisent? Ah bon? Ah oui, beaucoup plus que les Français. Je te promets que dès que la guerre sera finie, nous aurons à nouveau ce genre de préoccupation. Oh, mais tu dis ça comme si c'était pour demain. Ce matin, les Alliés auraient abattu 20 avions ennemis. À ce rythme-là, la guerre sera terminée dans 6 mois. Mais comment fais-tu pour avoir des chiffres aussi exacts? Oh, exact, exact. J'écoute Londres et j'écoute Berlin. À Berlin, on parle de 5 avions abattus, à Londres, de 30. Je fais une moyenne. Je ne sais pas si tu sais, mais le français a un peu autre chose à penser en ce moment. J'adore les bouquins, là n'est pas la question, mais il y a tout de même des priorités dans la vie. Oui, je comprends bien. Et le meilleur de tes livres ne te nourrira jamais autant que ce que tu es en train de becter à mes frais et grâce à mes petites affaires pour lesquelles vous avez tant de mépris. Je n'ai aucun mépris pour ce que tu fais. C'était pas à toi que je voulais parler. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Ça faisait longtemps que tu me l'avais pas fait. Il était déjà trop tard pour moi quand je l'ai entendu, mais ça aide quand même à y croire. Comme j'aimerais te croire. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont encore très en place. Ah, plus que vous ne le pensez, c'est une armée à 2 poumons. L'un ici, l'autre à Stalingrad. Et croyez-en, mon expérience, pas le moindre souffle au cœur. Sophie a raison, nous ne devrions pas parler politique. Vas-y, continue. Non, je ne collecte des bribes et tu vas croire que je me moque. Ah non, ça je sais bien que non. Allez, la France! Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule! Pierre! Ah, tu vois, il a peur. Il a peur que le maréchal ne vienne lui tirer les oreilles? Non, mais on ne s'entend plus! Louis a toujours dit que tu avais raté ta vocation. Oui, enfin, remarque, il a toujours dit beaucoup de bêtises. Ce n'est pas faux. C'est pour ça qu'il t'aimait autant. Oh, mon Dieu! Ne t'approche pas trop près de la fenêtre, on ne sait jamais. C'est un attentat! Il y a 2 Allemands allongés au milieu de la rue, abattus! Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Oh, ça va, c'est un réflexe!
Où est-ce que vous allez? Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez de la suite dans les idées, docteur? Mais ce sont des êtres humains, je ne fais que mon devoir. Mais ne commencez pas à faire votre intéressant. C'est quoi votre devoir? Vous faire embarquer parce que vous n'avez rien à faire à cette heure-ci dans la rue? Hein? Allons, allons. Reprenez donc un peu de champagne. Personne ne vous en voudra d'avoir fermé les yeux. Vous n'avez qu'à vous dire qu'ils sont déjà morts, si ça peut vous détendre. Ça y est, ils arrivent. Déjà? Éteignez tout. C'est un quartier tranquille, pourtant c'est la première fois que j'entends un coup de feu. Monsieur Pellissier. Commandant Cobat, nous nous connaissons. Oui. Ce soir, je ne viens malheureusement pas pour vous acheter un livre. Deux officiers allemands ont été abattus sous vos fenêtres. Et ils sont morts. Les assassins ont pris la fuite après leur avoir tiré dans le dos. C'est le troisième attentat cette semaine. Attention à la pile de Bondaire. La pile de Bondaire ne s'use que si l'on s'en sert. Ces officiers ne méritaient pas un tel sort. Ils ont combattu comme des soldats et ils sont morts comme des chiens. Ce n'est pas nous, nous ne faisons pas de politique. Désormais, vous ferez de la politique? Que cela vous plaise ou non? Trop facile de crier. Ce n'est pas nous, nous n'avons pas voulu cette guerre. À partir de ces jours, les assassins seront que des innocents payent pour eux. Mais peu importe que vous soyez innocent ou coupable, nous n'avons pas à nous poser la question. C'est la guerre! Et nous ferons ce qu'il faut pour la gagner. Pour chaque soldat tué, je prends 10 otages. Deux officiers ont été tués devant cet immeuble. Il me faut 20 otages. Il y a 10 appartements dans cet immeuble. 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice. Guten Tag, Herr Oberst! André Lückedeck! Wir sind, wie Sie sehen, normale Bürger und wir interessieren uns kaum an Politik. Was würden Sie sagen von einem substanziellen Vorschuss von 10.000 Franc und eine kleine Zigarre, um das zu feiern? Hm? Do you speak English? Anglais? Si je parle anglais? Oui, il y a une pointe d'accent tout à fait british dans votre allemand si original. Ah, c'est possible? Sans doute faisiez-vous des affaires outre-Manche avant la guerre. Avant la guerre, peut-être. Donc, si j'étais un officier anglais, vous me parlerez en anglais? Je ne sais pas. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de ma femme, Sophie, Madame Pellissier. Ah! C'est votre anniversaire? Oui. Bon anniversaire, Madame Pellissier. Ah! Voilà qui me pose un cas de conscience. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Je ne suis pas un barbare. Monsieur Pellissier et moi-même ont toujours entretenu de rapports courtois. Et je m'en voudrais venir gâcher votre petite fête. Nous devrions trouver un terrain d'entente, non? Je sais.
Je vais vous laisser terminer votre soirée. Et je ne viendrai prendre les otages qu'au dessert. Cela me paraît plus gentil pour un anniversaire. Et mieux, je vous laisse choisir vous-même les deux otages qui m'accompagneront. Qu'en dites-vous? Mais quel crime avons-nous commis? Pour condamner quelqu'un, il faut qu'il ait commis un crime. Intéressant. Mais cela n'est pas nécessaire. Vous en aurez bien la preuve. Et ne vous plaignez pas. Vous avez l'embarras du choix. Certains de vos voisins n'ont pas eu cette chance. Je vous laisse des heures. Cela me paraît suffisant. Oh là là, mais quelle histoire! C'est tout ce que tu as à dire? Ben quoi, c'est vrai? Pourquoi ils nous tombent dessus? On n'a rien fait, nous? Monsieur Pellissier! Je pensais à une chose. Vous m'aviez parlé de votre collection personnelle de livres anciens. Oui, ils sont dans la bibliothèque, vous pouvez tout emporter. Je ne suis pas un pion, monsieur! Mais, comme j'ai un peu de temps à tuer, si vous me passez l'expression... Je serais ravi de pouvoir jeter un œil. Juste le temps que vous preniez votre décision. Il y a un petit bureau dans la bibliothèque. Je vais vous y installer, vous y serez à votre aise. Je vous rends votre ami immédiatement. Deux otages. Prenez tout votre temps. Et maintenant, vous avez un sujet de conversation. On ne peut pas choisir deux otages parmi nous. C'est odieux. C'est hors de question pour qu'il nous prend. De toute façon, il ne peut rien se passer entre nous. Ah, le salaud. Il sait qu'on est tous amis. Il sait qu'on ne pourra pas choisir. Non, non, ce qu'il espère, c'est qu'il y aura un volontaire. Vous pensez à qui, André? À personne, Pierre. Je pensais tout haut. Je sais bien que le front n'a pas fait de vous un brave. Un brave? C'est vrai que la bravoure, ça vous connaît. Seulement moi, je ne m'en vante pas à chaque fin de phrase. C'est fini, vos enfantillages? De toute façon, il est hors de question que l'un nous désigne. S'il veut des otages, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Alors? Il s'intéresse aux auteurs grecs, si vous voulez tout savoir. Une chance qu'ils te connaissent, Victor, vraiment. C'est vrai que tu as de drôles d'amis. Ce n'est pas un ami. Puis au moins, ils nous laissent le choix. Ah, mais tu parles d'une aubaine. 18 otages, ça ne leur suffit pas? Deux de plus ou deux de moins, mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Ils peuvent bien nous laisser la paix. Victor, va lui parler. Victor, n'y va pas. Vas-y, dis-lui que nous sommes de paisibles citoyens, des gens honnêtes, des pacifistes. Ah, vous avez vraiment une très belle collection. Je viens de tomber sur un texte singulier. Un hasard extraordinaire. Lisez. Lisez donc. À haute voix. Sept capitaines aux sept portes placées. Sept contre sept à Zeus victorieux offrent tribut de leurs armes des reins. Sauf deux, hélas, qui, fils d'un même père et d'une seule mère, ont dirigé l'un contre l'autre leurs armes souveraines et trouvaient mort commune dans les bras l'un de l'autre. Oh! Extraordinaire, non? 7 contre 7! Vous n'appréciez pas la propos de ce vers de Sophocle? Ou vous n'avez pas compris? Monsieur Cobard, vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate, vous comprenez? Nous sommes tous amis. Je comprends. Et croyez bien que je ne m'amuse pas! Je ne vous demande pas de sacrifier deux de vôtres, mais d'en sauver 5! 5 qui devront leur vie aux deux autres! Je vous offre là un beau rôle, hein? Qu'est-ce qu'ils font des otages? Il y a deux catégories d'otages. Ceux qu'on envoie en camp de travail et ceux qu'on fusille. Et quel sort crois-tu qu'on nous réserve? Puisqu'ils ne voient aucun inconvénient à me prendre comme otage, on ne s'encombre pas d'un aveugle dans un camp de travail. Pierre a raison. Les otages sont passés par les armes, je le sais. Comment le sais-tu? Pourquoi dis-tu ça?
J'ai été témoin d'un attentat la semaine dernière. Un camion a explosé en plein boulevard. Je me trouvais dans un magasin. Les Allemands ont pris 3 personnes. Au hasard. Un homme en bleu de travail, sa femme et son fils. Ils les ont abattus sur place. Une balle dans la nuque, chacun. Il n'y a rien de plus expéditif que de passer de vie à trépas. Vous êtes et vous n'êtes plus. Voilà ce que je sais aujourd'hui. Vous connaissez personne qui pourrait nous aider ? À la Gestapo. Ah oui, à la Gestapo, pourquoi pas, si ça pouvait nous servir. Hein ? Françoise ? Moi ? À la Gestapo, mais pourquoi moi ? Je ne sais pas, vous êtes seule. Les temps sont ce qu'ils sont. Personne ne vous en voudrait ? Non, je ne connais personne à la Gestapo. Je me débrouille très bien toute seule. Et je n'ai encore jamais rien acheté avec mes jambes. Merci pour elle. Le docteur a raison. Nous sommes tous des patriotes. De bons Français, nous aimons notre patrie, mais si l'un d'entre nous connaît un haut fonctionnaire, réfléchissez. Et vous êtes peut-être arrivé de sympathiser avec un officier de la Gestapo. Jamais de la vie. Oh, ne soyez pas extrémiste, Pierre. Il y a des tas de gens qui connaissent des gens à la Gestapo. Ils n'en meurent pas, bien au contraire. Oui, moi, si je me noyais et que quelqu'un me tendait la main, j'irais pas lui demander ses papiers. Dans ces moments-là, Gestapo ou pas, on ne fait pas la fine bouche. Je préférerais mourir plutôt que de sauver ma vie par de pareils moyens. Eh bien, ma petite Françoise, vous êtes complètement idiote. Je reçois des Allemands tous les jours. Ils viennent m'acheter des livres. Je ne peux pas les mettre à la porte. André a raison. Si l'un d'entre nous connaît un officier allemand... Qu'est-ce qu'on en ferait ? Ben, si on connaissait quelqu'un, on pourrait lui téléphoner. Et si c'était un ami, il trouverait bien un moyen d'aller les piocher ailleurs, ces 2 otages. Comment ça, ailleurs ? N'importe où ? N'importe qui ? Au hasard ? Et pourquoi pas ? C'est bien ce qui nous arrive, non ? Là, il a raison. Ben, c'est la faute à pas de chance. Pourquoi nous plutôt qu'un autre ? Et puis dehors, ils n'ont plein bas la radichoire. Des Français, il y en a plein les rues. Et des bien moins respectables que nous, croyez-moi. Parce que vous croyez que votre vie a plus de valeur que celle d'un autre ? À mes yeux, oui. Sans hésitation. Non mais, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Ce que je dis, ben qu'est-ce que je dis ? Et qu'est-ce que ça pourrait vous faire, vous, d'être remplacé par un inconnu ? Non mais vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience ? Sincèrement ? Je préférerais vivre avec un cadavre sur la conscience que d'être moi-même le cadavre sur la conscience de quelqu'un. Et puis je ne parle pas de vous. Je parle de monsieur tout le monde, autrement dit de personne. Ah, ne commençons pas à nous disputer, s'il vous plaît. Nous devons rester solidaires. Il a raison, il faut rester soudés. Soudés ? On se croirait chez les scouts. Oh, avec vous au moins, on sait à quoi s'en tenir, ça a son charme. Ah, vous avez tort de jeter la pierre. Il a raison. Je ne vois pas au nom de quel principe nous nous interdirions de faire appel à des Allemands de rencontre. Il faudra bien qu'un jour on se réconcilie avec eux. Alors autant en profiter pendant qu'on les a sous la main. Hein. Non mais c'est vrai ça. J'ai jamais retourné chez eux après pour les faire revenir. Et toi Victor, avec la librairie ? Ah, j'en connais bien quelques-uns, mais de là à leur demander un service, la plupart je ne sais même pas leur nom. Le seul à qui j'aurais pu demander quelque chose, il veut nous faire fusiller, comme quoi on ne peut vraiment se fier à personne. Vincent ? Non, aucun ami parmi nos ennemis. Et toi, Pierre ? Le dernier que j'ai vu, il était à 100 mètres de moi dans mes lignes de tir. Il ne peut plus rien pour nous. Bah, l'année dernière, j'ai soigné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt ? Il ne fait pas partie de la Gestapo. C'est un coup à tenter, ça ! Qui est-ce ? Le colonel Ulrich. Oh, c'est un personnage important, vous avez son numéro ? Oui. Allez, donnez-le-moi. Anjou 3502, je vais lui dire un mot en allemand. Ah non, ce n'est pas la peine. Il parle très bien le français. Allô, colonel Ulrich ? Docteur Pagnon à l'appareil, vous vous souvenez de moi ? Oui, tout à fait. L'année dernière, à la bonne heure. Comment va Madame Ulrich ? Elle est morte. C'est embêtant. Mais présentez-lui vos condoléances. Expliquez-lui la situation. Ah, je suis désolé, mon colonel, je ne sais comment. C'est tellement inattendu. Oui, je comprends, mon colonel. Pardon de vous avoir dérangé. Ah non, rien d'important. Au revoir, bonne soirée.
Rien d'important? Mais c'est quoi pour vous quelque chose d'important? Ah, c'est pas possible, laissez passer une occasion pareille. Je l'avais pourtant bien soignée. Et elle est morte quand? Il y a 4 mois. Oh, bah 4 mois, il y a prescription. Il n'est plus sous le coup de la douleur. Rappelle-le, tu as raccroché sans réfléchir. Il a raison, nous n'avons pas le droit de négliger ce genre d'opportunité, je vais le rappeler. Vous êtes sûr? Bah qu'est-ce qu'on risque? J'ai l'impression que nous avons affaire à un bon bougre, non? Vous lui expliquez en détail la situation, vous lui dites que vous êtes chez des amis pour soigner une patiente, que vous avez une clientèle allemande. Allô, c'est encore moi, mon colonel. Je m'excuse de vous importuner, mais il m'arrive une drôle d'histoire. Je vous appelle de chez un ami, sa femme est malade. Non, elle n'est pas morte. Je suis venu pour la soigner. Nous étions en train de dîner tranquillement quand la Gestapo est arrivée. Et il y a eu un attentat dans le quartier. Nous n'y sommes pour rien, vous vous en doutez, mais l'officier réclame 2 otages. Cobard. Commandant Cobard. Il en a déjà pris 18 dans l'immeuble, là, vous comprenez mon inquiétude. Et puis pensez, moi qui ai collaboré depuis bien avant la guerre, ce ne serait pas juste. Oui, oui, très bien, mon colonel. Un instant, il veut parler au commandant, allez le chercher. Allez, ne perdons pas de temps. Commandant Cobard, excusez-moi de vous déranger. Le colonel Ulrich voudrait vous parler. Dommage. Vous avez tort de négliger votre collection. C'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Vraiment. Le colonel Ulrich. Ah. Quid libe daudendi potestas? Virgile, il est autorisé de tout oser? Horace. Pardon? Vous avez dit, Virgile, c'est une citation d'Horace. Vous vous êtes trompé, ça arrive. Vincent, s'il te plaît, le colonel Ulrich. Horace! Peut-être. Major Kaubach am Apparat, mein Respekt, Herr Oberst. Ja? Oh, gut. Mhm. Und geht es Ihrer Frau wenigstens gut? Oh, herzliches Beileid. Felicitation, Docteur! Ja, und Sie verlangen von mir also, dass ich Ihnen das Leben lasse. Ja. Nein, das geht leider nicht. Mhm. Ich wusste, Sie würden meine Haltung verstehen, Herr Oberst. Mein Respekt. Deux otages. Oh! Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus. Horace? Horace. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous incite à boire et à profiter du temps qu'il nous reste. Nous sommes une portée de rats. Non, oh, je t'en prie. Non, non, je parle sérieusement. Nous sommes une portée de rats prise au piège sur le même bateau. Si tu veux, et alors? Précise ta pensée, je te connais. Quand le bateau brûle, les rats quittent le navire. Mettons le feu. Le feu? C'est le seul moyen. Ici, chez nous? Oui. Eh bien, trouve autre chose. Je ne vous laisserai pas brûler mon appartement. Victor, dis quelque chose. À quoi ça peut bien nous avancer? Il y a des soldats partout. Vous les avez comptés? Ils sont 5. Nous profiterons de l'arrivée des pompiers pour nous sauver. Je ne vous laisserai pas mettre le feu chez nous. Victor, s'il te plaît. Il a raison. Réfléchis un instant.
Le feu, les pompiers, l'affolement, les gens du quartier, la panique. C'est une excellente idée. Victor, il faut faire vite. Vous n'oubliez rien? Ah, vous voyez, c'est complètement idiot. Je m'occuperai de lui. Je resterai à côté de toi, tu n'auras qu'à me tenir la main. Tu finiras par me lâcher. Je ne te lâcherai pas. Pierre, François s'occupe de toi ou tu restes à attendre les pompiers, c'est à prendre ou à laisser. De toute façon, on n'ira pas bien loin. On verra. Où est-ce que je peux allumer un foyer? Et mettre le feu tout de suite. Oui, on va pas attendre demain. Dans la cuisine, je vais t'aider. J'appelle les pompiers. André, je ne vous laisserai pas faire. Si on sauve, je ne pourrai plus ouvrir ma librairie. Les Allemands seront à nos trousses. J'ai une maison à la campagne. On ira s'y cacher quelque temps. Ensuite, ça finira bien par se tasser. Sophie, surveille Cobard. Et Victor, viens avec moi. Vincent, Vincent, tiens, pour allumer ton feu. Qu'est-ce que c'est? C'est Max qui me les a donnés, il faut que ça brûle. Mais tu es complètement folle. Vincent, il faut que tu brûles tout ça. Si Cobard me trouve avec ça, je suis morte, otage ou pas, tu comprends? François, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Rien. Des prospectus, c'est ça? Rien, j'ai dit. Va plutôt surveiller Cobard au lieu de t'occuper de ça. Allô, allô, venez vite. Il y a un début d'incendie. Avenue de Versailles. 17 avenue de Versailles. Ils arrivent. Eh ben du moment qu'ils arrivent, nous n'avons plus besoin de mettre le feu. Si, si, il faut de la fumée. Il faut semer la panique. Il faut un feu, un grand feu qui soit visible de partout. Ça me prend pas. J'arrive. Vous restez là. Et si Cobard vient, dites-lui. Dites-vous ce que vous voulez, mais qu'il n'aille pas dans la cuisine. Oh, mais c'est de la folie. Et que Cobard est au bout du couloir. Calme-toi et arrête de hurler. Victor. Ça ne prend pas, il nous faut de l'essence. On n'en a pas ici. Et de l'alcool à brûler. Mais non plus. Regarde sous l'évier. Enfin, Victor, tu deviens complètement fou. Qu'est-ce que c'était que ces papiers? Ça ne te regarde pas, arrête de me questionner. De la propagande, c'est ça? Crois ce que tu veux. Tu me prends pour une idiote? Des incitations à rejoindre Londres, des appels à la résistance, mais voilà ce que c'est. Et alors? J'en ai assez de regarder les autres mourir pour moi. Tu ne te rends pas compte des risques? Ça m'est égal. Depuis que Louis est mort, je ne pense plus qu'à ça. Utiliser toute mon énergie, ma hargne à les mettre à genoux, et peu importe les risques que je cours. Ah, mais c'est pas pour toi que je m'inquiète, figure-toi. Ah bah non. Ah non, toi tu es libre de mourir comme tu l'entends. Mais tu n'as pas le droit de nous faire courir de tels risques à nous. Nous, on n'a rien demandé. Quoi? Parce que tu crois que si Cobard trouve ça sur toi, mais tu vas être la seule à être fusillée. Mais tu ne penses vraiment qu'à toi. Il va croire qu'il est tombé dans un repère de résistants et on va tous y passer. T'inquiète pas pour ta petite personne, va. Monsieur Pellissier. Où sont-ils? Il prépare le dessert. Ça y est, ça prend. Qu'est-ce qui prend, mademoiselle? Je ne sais pas. Quel est votre nom, mademoiselle? Votre nom? Françoise! Monsieur Victor, à 5, ma première balle sera pour votre amie Françoise. 1. La seconde pour votre femme. 2. Victor! Non, monsieur Cobard! 3. Éteignez ça tout de suite et rappelez vos amis. Victor! André, Vincent! Monsieur Cobard, s'il vous plaît. 4. Allez donc mettre un peu de l'ordre. Je pourrais très bien vous faire abattre tout le 7. Je me suis arrêté à 20 otages par pure bonté d'âme. Par goût de chiffre rond. Mais rien ne m'oblige à cela. Vous concernant, j'ai des comptes à rendre à personne. Ne l'oubliez pas. Je passerai prendre mes otages dans une heure. Pardon, Françoise. Françoise, c'est fini. Vous voyez où vos idées d'évasion ont failli nous mener? Qu'est-ce que c'est que ça? Français, ayez du courage. Vive Churchill. Qui a emmené ça chez moi? Lequel d'entre vous s'est permis de porter le danger sous mon toit? C'est toi, Pierre? Ah, parce que tu crois vraiment qu'un réseau de résistance voudrait de moi.
Alors c'est toi. C'est moi. Ne dis pas n'importe quoi, Françoise. C'est la première fois. J'étais censée les laisser à la consigne de la gare et... Eh ben c'est comme ça que j'ai le rôti. Mais tu es complètement inconséquent. Tu as failli nous faire fusiller pour un rôti. Et alors quoi? Tu vas me dénoncer? Je vais finir de nettoyer, ça vaut mieux. On croit connaître sa femme et... La ferme, Pierre. C'était la première fois, elle l'a dit, elle s'est laissée embobiner, c'est tout. C'est sûrement ça. Ça n'empêche. Elle a eu de la chance que ce soit toi qui sois tombé dessus. Parce que, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Pas moi, lui. On croit connaître ses amis et... Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, docteur, rien. Dites-moi, docteur, la femme du colonel, elle est morte de quoi? C'est vous qui devez me soigner, alors de quoi est-elle morte? Elle souffrait des reins. Pourquoi vous me demandez ça? Pour rien. Je me pose des questions, c'est tout. Je me demande pourquoi le colonel n'a pas voulu nous aider. Mais vous êtes complètement... Je l'ai vue une seule fois. Elle était condamnée. Ben si elle a été condamnée, il fallait pas la soigner. Vous n'êtes plus un enfant. On vous appelle pour une consultation, vous tombez sur un cas désespéré. Et vous, malgré ça, vous tentez l'impossible? Vous entretenez l'espoir? Non. Vous voyez où ça nous mène. Je suis sûr que le colonel vous en veut. Ça fait 35 ans que j'exerce. Je sais ce que j'ai à faire. Alors comment expliquez-vous le comportement du colonel? Il aurait dû faire quelque chose pour nous. Il n'y a rien à faire, André. Ah bon? Eh ben très bien. Laissons faire le destin et voyons ce qui nous tombe dessus. Ça suffit, André, on vous a assez entendu. Moi, j'ai fait confiance au destin. Vous voyez où ça m'a amené? C'est par pur amour du destin que je me suis engagé dans les corps francs. Je n'en tire aucune vanité, mais ça m'a coûté assez cher comme ça. Bah, qu'est-ce qui se passe encore? C'est moi, Victor. Eh bien, rallume, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu t'impatientes? Quelques secondes et tu ne supportes déjà plus. Tu as peur du noir? Tu n'es pas drôle! Et si vous deviez vivre avec toute une vie? Moi aussi, j'ai pensé au pire plus d'une fois. Et voyez, je suis là. Je survis dans l'espoir de retrouver un jour la vue. Depuis quelques semaines, je reprends goût à la vie. Ça me coûte beaucoup d'efforts, mais maintenant je me considère presque comme un être normal. Alors je ne veux pas mourir aussi bêtement. Je ne veux pas me faire fusiller sans avoir défendu ma peau. Vous voyez où ça m'a amené de faire confiance. André, je refuse de laisser faire le destin. Vous devez choisir les deux otages parmi vous. Si vous ne le faites pas, je serai choisi en premier. J'ai trop fait pour la patrie. J'ai donné plus que vous tous réunis, alors je ne pars pas comme otage. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu es revenu. Combien aurait donné un bras, une jambe, un œil pour être à ta place, pour continuer à vivre? Tu n'as pas le droit de te plaindre. Pense à Louis, toi qui disais de son ami. Je l'étais. Alors conduis-toi comme tel, respecte sa mémoire et agis comme il l'aurait fait. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas inventer quoi cette fois? Rien, je vais prendre un bain. Un bain? Ne te dérange pas, Victor. Je connais chemin. Mais c'est complètement déplacé. D'abord, on dit un pas chez les gens pour faire sa toilette. Si ça peut lui éviter d'avoir une nouvelle idée de génie, je préfère autant. Nous avons besoin de nous concentrer, nous avons besoin de solidarité, et lui nous abandonne pour prendre un bain. Mais c'est inadmissible. Est-ce qu'il n'a pas de baignoire chez lui? C'est pour économiser. Vincent, ne serait-il pas un peu juif? Ça veut dire quoi? Rassurez-vous, nous n'irions pas le dénoncer, mais nous comprendrions au moins l'entêtement de Cobard à nous martyriser. Il se doute que Vincent est juif. Et s'il ne l'est pas? Bah, c'est facile à vérifier. À moins qu'il prenne son bain tout habillé, moi je vais vous le dire s'il est juif. Comment il va faire pour savoir s'il est juif? Je t'expliquerai. André a raison, c'est à cause des juifs que nous en sommes là. Ils ont exaspéré les Allemands. Et puis vous pouvez me croire, sur le front, pas un juif. Ils étaient tous planqués avec leurs magots. Qu'est-ce que tu sais du front? Tu n'as jamais bougé de ta librairie.
Il a tiré le rideau, j'ai rien pu voir. Max, il est juif. Bien sûr. Et comme par hasard, il n'est pas là quand on a besoin de lui. Eh bien, il faut absolument le prévenir. Et pourquoi? Mais pour qu'il ne vienne pas. Enfin, tu le connais, il est capable de passer à n'importe quelle heure. Et alors, c'est le destin? Laissez-la le prévenir. Certainement pas. Sophie, tu ne bouges pas. André! Personne ne touche à ce téléphone. Pourvu qu'il vienne. Une personne de plus, c'est une chance de moins de mourir ce soir. André, donnez-lui ce téléphone. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il y a quelques minutes, vous voulez nous abandonner et maintenant vous voulez me faire la morale. C'est écœurant. C'est mathématique. Et vous savez que j'ai raison. Je n'empêcherai personne de sortir d'ici. Mais je n'interdirai à personne d'y entrer. Vincent prend vraiment un bain? Bah, allez voir par vous-même. Il se savonne, il pousse la chansonnette. On dirait que tout ça ne le concerne absolument pas. Bah, il doit être ivre. Dites-moi, Pierre. Vous êtes resté combien de temps, au front? Ça vous intéresse? Bon, c'est histoire de faire la conversation, si vous n'avez pas envie de parler. Quelques jours. Ah, quelques jours. Oui. Marquez au mieux, vous auriez tenu quelques semaines. Et vous avez quand même eu le temps d'en tuer quelques-uns? Quelques-uns. Allez, Pierre, dites-moi, entre nous, des Allemands, vous en avez tué combien? Je n'ai pas compté. Oh, Pierre, vous devriez être fier. Combien? 10? 20? Je ne sais plus et je n'ai pas envie de m'en souvenir. C'est dommage. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, Pierre. Vous êtes un brave, un vrai. Et je suis sûr que si vous n'aviez pas eu ce malheureux accident, vos yeux... Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous feriez partie d'un réseau de résistance. Possible. Ah! Possible. Si ça se trouve, vous êtes quand même partie d'un réseau. Allez, Pierre, dites-moi, entre nous. Ah, ça suffit! Vos conversations m'ennuient. Allez chercher Vincent, qu'il revienne. Nous devons rester ensemble. Il se rhabille. Ouais, il a mis de l'eau partout. Et en plus, il n'est pas juif. Tu as l'air déçu. Non, je constate, c'est tout. Et voilà qui est fait. Il y a des pays où le bourreau par habitude embrasse le condamné avant son exécution. Si les Allemands suivent cette coutume, je me devais de me présenter dans un état de propreté irréprochable. Vous voulez partir comme otage? Non, tout doux l'habit, je n'ai pas dit ça. Mais il faut toujours tout envisager. Et parmi vous, pendant mes ablutions, toujours pas de volontaire? Bon, mes amis, pardonnez-moi, mais je ne peux plus rester ici. J'ai une maison, une femme, une clientèle, je m'en vais. Ah, ma femme est malade, je rentre chez moi. Et Cobard, tu en fais quoi? Oh, inutile de le déranger, je vais m'arranger avec le planton. J'ai un Ausweis, je suis sûr qu'il acceptera. Vous n'aurez qu'à dire à Cobard que vous ne me désignerez pas comme otage. Il n'en demande que deux. Une fois dehors, je vous serai beaucoup plus utile, croyez-moi. J'irai trouver le colonel. C'est toujours le même colonel ou bien c'est un autre? Ah, le même. Je ne connais que cet officier-là. Celui dont la femme est morte, on ne sait trop comment? Le veuf? À supposer que ce ne soit pas votre faute? Je lui expliquerai de vive voix la situation. Je suis sûr qu'il m'écoutera. Qu'il t'écoute, c'est possible. Mais qu'il agisse. Jean-Paul, tu crois que c'est honnête de nous abandonner? Vous n'avez pas confiance en moi? Non. Parce que vous avez tout intérêt à nous planter là et à vous évaporer dans la nature. Oui, mais si son colonel réussit à nous tirer de là,
Il n'a pas de raison de ne pas revenir. À condition qu'il aille réellement trouver son colonel. Entendre ça? Moi, je préfère m'en aller. Oh là, le coup de l'indignation, pas à moi. Ah, mais enfin, vous me connaissez. Vincent. Victor. Jean-Paul, je crois que tu es de bonne foi et que tu reviendras, mais je peux me tromper. Moi, je crois fermement que tu ne reviendras pas. Mais je peux aussi me tromper. Et moi, qu'ils ne vous laisseront pas sortir, et je ne crois pas me tromper. Jean-Paul, si vous tenez absolument à nous sauver la vie, je connais un moyen. La cour. Vous passez par la fenêtre de la cuisine, vous descendez le long de la gouttière, vous longez les troènes, et une fois dans la rue, vous allez le trouver, votre colonel. C'est complètement idiot. Bon, pas plus que d'attendre que l'autre vienne faire son marché. C'est tentant. Bah, allez voir par vous-même, c'est tout à fait possible. Mais si c'est si possible que ça, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Oh, vous parlez beaucoup, ma petite Françoise, mais vous ne proposez pas grand-chose. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu ne voulais pas le laisser filer. Et maintenant, tu lui proposes de... Maintenant, on lui sert de cobaye. Soit on lui tire dessus, soit on lui tire pas dessus. Et si le docteur parvient à s'échapper? Pourquoi pas lui? Mais pourquoi pas nous? J'y vais. C'est de la folie. Jean-Paul, ne te laisse pas influencer. Elle a raison. Docteur, réfléchissez. Mais n'insistez pas, puisqu'il a déjà pris sa décision. Victor, la lumière. Bonne chance, mon vieux. Vous croyez qu'il est passé? On n'a jamais dû le laisser sortir! C'est votre faute! Personne l'a forcé! C'est vous qui lui avez mis cette idée dans la tête! Et il a raison, il savait ce qu'il faisait. Ah, lui au moins, il a tenté sa chance. Vous croyez qu'ils vont le compter comme otage? Oh, mais c'est pas vrai! Bah quoi, ça nous arrangerait tous! Et il ne serait pas mort pour rien! Vous avez perdu quelque chose! Vous vous égarez! Vous n'êtes pas raisonnable, monsieur! Docteur, vous souhaitiez nous quitter? Eh bien, si tous vos amis sont d'accord, vous êtes libre. Après tout, je n'ai besoin que de deux otages. Mesdames. Messieurs. Je regrette, docteur. Alors, vous n'avez pas encore choisi? Non. Nous n'avons pas encore choisi. Nous avons décidé de vous laisser ce plaisir. Décidé? Mais vous n'êtes pas libre de décider! Si vous ne prenez pas votre destin en main, je me verrai dans l'obligation de vous faire fusiller tous les 7. Content de te revoir, Jean-Paul. C'est un peu tard, non? Oh oui, oui, ça va, ça va. Tiens, bois ça, ça te remontera. Ah non, le verre de Judas, non merci. Je préfère mourir de soif. C'est passé à ça. Tu ne l'auras pas dit que tu étais... sympathisant. Mais j'ai pas eu le temps, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Tu crois que c'est le moment? Pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais... tout cela... me paraît... étrangement comique. Je sais... que la situation n'a rien de risible. Bien sûr. Mais j'ai un peu bu. Je crois que ce bain m'a fait du bien. Je me suis regardé dans la glace, tout nu. Je n'ai d'ailleurs pas été le seul. Et j'ai eu l'impression de me voir pour la première fois. J'ai presque eu peur de mon image. J'ai eu l'impression de voir un jouet. Un nez pour respirer, des yeux pour voir, une bouche pour manger, un ventre pour digérer, et un cerveau pour tout compliquer. C'est si simple de vivre!
et de mourir. Vincent existe! Vincent n'est plus. Les gens ne sont pas curieux. Ils s'aperçoivent qu'ils vont mourir, et c'est la panique. Pourquoi? Cobard a raison. Qu'est-ce qu'on est pour lui? Des têtes d'épingle, des grains de poussière dans un immense processus de destruction. Vu sous cet angle, pas de quoi s'émouvoir, docteur. Bah, pour toi, c'est facile. Personne ne t'aime, tu n'aimes personne. Ah, c'est charmant. Ne l'écoute pas. Moi, je ne veux pas mourir pour les autres. Mais je ne veux pas que les autres meurent pour moi. On en est tous là, figure-toi. Messieurs, Françoise, Sophie ne pourra pas partir comme otage. Elle est enceinte. Victor ? Oui, je sais, chérie, ce n'est pas forcément le bon moment pour le leur annoncer. Et depuis quand, la dernière fois qu'elle est venue au cabinet, elle... Eh bien, il s'est passé des choses, figure-toi, depuis la dernière fois. Depuis 3 semaines. Il suffit d'une minute. Modeste avec ça. Ne sois pas vulgaire, s'il te plaît. Et regarde-toi, tu es prêt à tous nous faire fusiller, et tu le trouves vulgaire. Comment vous... Vous ne me croyez pas? Vous me croyez capable d'inventer une chose pareille? Pourquoi pas? Eh bien, tu vas pourtant être obligé de me croire. Sophie est enceinte. On pourrait aller vérifier. Comment ça? On pourrait demander au Toubib d'aller jeter un œil pour nous. Vous sauriez faire ça, Toubib? Oui, peut-être, mais... Mais c'est ignoble! Et ce n'est pas ignoble d'inventer une grossesse pour faire fusiller ses amis? Très bien, je ne crains pas le jugement du docteur. Qu'il aille vérifier si je suis un menteur. André! Sophie, ce n'est pas contre toi. Et la preuve, c'est que si Victor dit vrai, tu es libre. Allez! Oh, et puis c'est ridicule, Victor! Oh, mais tu ne pouvais pas! Bon, reviens, Victor! Mais c'est normal! C'est normal de faire valoir tous ses atouts! Hein? C'est naturel! N'est-ce pas, monsieur Pierre? Si vous le dites. Et vous-même, vous avez voulu vous servir de votre infirmité? Quoi, j'ai raison ou pas? Alors, moi aussi, j'ai une proposition à vous faire. Reviens, Victor, ça va t'intéresser! Victor, assieds-toi! J'offre à celui qui se propose comme otage un chèque, un très gros chèque. Et qu'est-ce qu'il en ferait? Je suis sûr que vous avez tous parmi vous des gens auxquels vous tenez et à qui vous seriez ravis d'offrir une vie meilleure après votre éventuelle disparition. Vous feriez là un acte d'une grande générosité. Mais vous êtes pire que les nazis. Vous êtes bien sûr de ne pas avoir votre carte du parti? Nazi, moi? Si j'étais nazi, ça fait longtemps que je l'aurais dit. Je préfère être un nazi vivant qu'un français mort. Vous êtes parfait. Ce qui est bien avec vous, monsieur André, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. On croyait avoir touché le fond. Vous avez toujours mieux à nous proposer. Oui, oui. Vous jouez tous les offensés, mais... Mais dans le fond, vous me comprenez très bien. Les compromis... Les accords, les cadeaux, et même les preuves d'amour. Tout ça passe par le porte-monnaie. Vrai ou faux? L'argent peut tout. Il suffit d'en avoir. Françoise, je sais que vous avez un frère malade. Vous pourriez considérablement améliorer son quotidien. Vous pourriez confier ce chèque à une personne de confiance parmi nous qui lui remettrait en main propre. Non? Victor! Sophie, l'un de vous pourrait se sacrifier pour l'autre. Non? Vincent! Non, nous avons déjà établi que vous n'aviez personne. Toubib, pensez à Madeleine. Alors quoi? Personne n'en veut de mon argent? Mais qu'est-ce qu'il a mon argent? Ils sont mauvais? Ils puent? Et le champagne? Vous croyez que j'ai acheté avec quoi le champagne? Mais avec ça! Avec ça! Ah, il sentait pas si mauvais quand il était question de s'en foutre plein la gueule! Et quelqu'un peut-il me dire à quoi ça sert d'en avoir autant? Ma parole! Je croyais que c'était la haine qui vous faisait parler comme ça. Mais c'est la peur. Vous êtes vert de peur, j'en suis sûr. Oui, j'ai peur. En voilà une trouvaille.
J'ai peur, j'ai pas honte de le dire. Parce que vous, monsieur Pierre, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir peur. Vous êtes un brave. Si, au front, avant l'attaque, et après, rétrospectivement. Mais pendant, jamais. Pendant, on a autre chose à faire. Pendant, on agit, et agir, c'est s'oublier. Et en ce moment, vous avez peur? Oui, comme vous. Mais moi, la mort, je ne verrai pas venir. Tandis que vous... Et vous dites que pour ne pas avoir peur, il faut savoir s'oublier. Mais comment voulez-vous que je m'oublie, moi? En pensant aux autres. Pensez aux autres, vous en avez de bonnes. Essayez. Mais je n'ai pas pensé qu'à moi quand j'ai proposé de l'argent à Cobard. Vous avez essayé de l'acheter? Oui, tout à l'heure. En allemand. Il a refusé. Un incorruptible. Un SS qui a des valeurs. C'est peu commun. Nazisme et intégrité ne sont pas incompatibles. Bien au contraire. Lorsque vous aurez été choisi comme otage, je vous souhaite d'avoir toujours autant de convictions, docteur. S'il n'aime pas l'argent, il doit bien avoir un autre hobby. Les femmes, peut-être. Tu veux l'envoyer chez Bernardi? La question n'est pas là. Il n'est pas possible d'envoyer Cobard ou que ce soit. Ce que j'ai à vous proposer est assez délicat. Notre officier est une brute. Une brute doublée d'un sadique. Il entre chez les gens, froidement, prend des otages. Pire, il leur demande de choisir entre eux. Et tout à coup, il s'émerveille devant de vieux bouquins. Ça n'a pas de sens. Pour on ne sait quelle raison, parce qu'il a acheté 3 malheureux livres à Victor, il nous offre un sursis. Et entre un sursis et une grâce, il n'y a qu'un pas. Un pas de femme! Je désapprouve. Moi aussi, trouve autre chose. Je comprends pas. C'est quoi ton idée? Ils veulent envoyer l'une de nous faire des avances à l'ennemi. L'ennemi, tout de suite les grandes phrases. Ne soyons pas ridicules. Nous devons exploiter la moindre occasion. Et puis, ce n'est qu'un ballon d'essai. Il n'est pas dit que Cobard couchera avec l'une de vous. Vincent! Mais enfin, c'est ridicule! Nous ne pensons même pas que Cobard va se déshabiller et roucouler à côté de nous, c'est n'importe quoi! La porte sera fermée. Non, c'est absurde! Puis d'abord, qui va se dévouer? Ne comptez pas sur Sophie, je vous le dis tout de suite. Ah. Ça ne laisse plus beaucoup d'options. De toute façon, je te devine beaucoup plus qualifié pour ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Bon, ne commencez pas! Vous n'avez pas le droit de vous défiler. Personne ne saura qui a couché avec Cobard. Nous nous retirerons dans la cuisine. Françoise et Sophie resteront ici seules et décideront. Nous reviendrons quand elles nous appelleront. André a de très bonnes idées, mais je tiens à vous le dire tout de suite. Ne comptez pas sur moi. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. Et moi non plus. Je ne coucherai pas avec lui, il me dégoûte. Oh, Sophie, est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment? Françoise. Au premier abord, vous êtes la plus qualifiée. Sophie est mariée et son mari est présent. Si Cobard était un civil, vous accepteriez? Non, il est allemand. Et s'il ne l'était pas? La question ne se pose pas. Mais dites-vous que c'est l'armistice, que la guerre est finie, qu'un jour nos deux peuples seront amis. On est vivants peut-être, mais les morts, ceux qui finissent à bouche pleine de boue, ils y auront droit à leur armistice eux aussi. Il y aura des drapeaux et de la musique, et nous danserons sur nos morts. Je sais que ce jour arrivera, j'y pense, j'ai honte. Voyons, Françoise, tu n'es pas responsable. Si, je le suis. Et tous n'avons pas cessé de l'être. Responsable d'avoir combattu mollement, responsable de ne pas avoir mis assez d'ardeur, de vigueur à persuader les autres autour de nous, de cogner dur, de serrer les dents. Des hommes, des femmes, des enfants sont envoyés à la mort. Des familles entières sont torturées, assassinées, envoyées dans des camps. Et nous? Nous continuons notre petite existence au jour le jour, machinalement, comme des avares. Et quand tout cela sera terminé, quand tout ce rêve monstrueux se sera dissipé, nous pousserons un soupir de soulagement. Nous assisterons au défilé de la victoire. Nous applaudirons nos courageux libérateurs
Et nous nous réjouirons de nous en être tirés à si bon compte. Et nous trinquerons. C'est là beau, résistant, profiteur, tous baignés dans la même allégresse. Par moments, je souhaite que la guerre dure éternellement pour ne pas avoir à supporter cela. Si on lui envoie Françoise comme ça, Cobard, nous fait tous fusiller, je vous le dis tout de suite. Victor, tu dois persuader Sophie. Elle est douce, jolie, elle plaira à Cobard. Je sais ce que tu ressens, c'est pas le moment de faire du sentiment. C'est dans notre intérêt, mais dans le sien également. Va pas te monter la tête pour une bagatelle. Il y a des milliers de femmes qui trompent leur mari. D'ailleurs, Sophie ne couchera peut-être pas. Ah, je sais, c'est un mot qui fait mal. Mais nous n'avons pas le choix, Victor. Victor, si tu persuades Sophie, je tire un trait sur votre ardoise. Non, ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Victor, regarde-moi, dans les yeux. Crois-tu que je te demande un tel sacrifice à la légère? Ne crois-tu pas que j'ai tourné et retourné la situation dans tous les sens pour en arriver là? Il n'y a pas d'autre issue, Victor. Sophie est libre d'agir comme elle l'entend. Sophie? Notre sort dépend de toi maintenant. Nous comptons sur toi pour trouver les mots qui conviennent. Cobard n'est pas une brute. Il suffit de trouver son point faible. C'est pas à toi que je vais expliquer ce genre de choses. Et qu'est-ce que tu deviendrais si Cobard prenait Victor comme otage? Tu crois qu'il pourrait... Mais si tu vas là-bas, tu sauves ta peau et celle de Victor. Victor! Mais il te laisse libre. Demain, nous aurons oublié cet incident. Et quand tu seras là-bas, ne te laisse pas gagner par la culpabilité. Si Victor le pouvait, il en ferait autant. Oh, tout de même. Et comment crois-tu qu'il connaisse l'adresse des filles Bernardi? Mais chut, je n'ai rien dit. Allez, allez, allez! Ville. Merci, Françoise. Comment? Sophie est mariée, et moi, son mari, je suis là, bien vivant. Tu aurais dû partir à sa place. Tu n'es pas l'unique veuve de guerre de ce pays. Je suis là, avec mes amis. Et toi, tu envoies ma femme? Tu tires ton épingle du jeu, sous couvert de je ne sais quel principe? Et quoi? Crois-tu que Sophie n'a pas de principe, elle? Tu me dégoûtes. Ça suffit, Victor! Toi ne m'adresses plus la parole. C'est de toi que vient cette fameuse idée. Pourquoi n'y es-tu pas allé, toi? Peut-être a-t-il les mêmes vices que toi. Peut-être que ça t'aurait plu, après tout. Tu es ridicule! Oui! Je vous laisse envoyer ma femme se vautrer dans les bras d'un SS, et c'est moi qui suis ridicule. C'est elle qui a choisi! Et si j'avais été une femme, j'aurais agi exactement qu'elle, comme elle. Elle, au moins, elle est sûre de sauver sa peau. Et peut-être même la tienne. Alors, arrête de jouer les victimes, s'il te plaît. En attendant, nous, on n'est plus que 5. Et Max qui n'arrive toujours pas. Pourquoi voudriez-vous qu'il arrive maintenant? André considère que si Max arrivait, ça augmenterait nos chances de survie. C'est logique. À partir du moment où le nombre d'otages ne bouge pas, je préférerais qu'on soit plus nombreux. En voilà une idée. Il n'y a aucune raison que nous payions pour les autres. J'ai quelques patients qui habitent le quartier. Ils seront ravis de venir prendre un petit digestif. Mais tu perds la tête. Vincent, empêche-le de faire ça. Parce que tu crois que Cobard va laisser entrer ses nouveaux amis? Un otage est un otage. Cobard ne verra aucun... Ah, allô, Serge. Bonsoir, Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Je ne te dérange pas? Alors, coucher à cette heure. Une vraie poule, ma parole. Écoute, enfile un pantalon et viens nous rejoindre chez les Pélissiers. Nous fêtons l'anniversaire de Sophie. Oh, ne fais pas l'idiot. Il y a du champagne, des cigares de Cuba, du saucisson... Et même un officier SS dans le bureau. Vincent, arrête! Non, c'est un ami qui plaisante. Nous sommes un peu sous. Mais puisque je te dis qu'il plaisante... Va au diable! Toubib, si jamais, on s'en sort tous les deux. Sois gentil de me rayer de ton carnet d'adresses. J'ai sauvé la vie de la plupart de ceux qui figurent dans ce carnet.
Ils me doivent bien ça, non? Bien sûr. Ce sont des sortes d'honoraires à retardement. Allô, Béatrice. Bonsoir, Jean-Paul Pagnon à la... Allô. Allô. Allô, Béatrice. Allô. Mais tu te rends compte? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Vas-y, frappe-moi si ça peut te soulager. Oh. Pourvu qu'ils te choisissent! De toute façon, ce serait plutôt un soulagement pour toi. Hmm? Ne te fais pas d'illusions. La vue, tu ne la retrouveras jamais! Oh, j'ai bien voulu faire toute une batterie d'examens pour te faire plaisir. Te faire miroiter une opération aux États-Unis pour que tu gardes le moral. Mais c'est du vent, Pierre. On ne retrouve pas la vue comme ça! Désolé. Je le savais, Jean-Paul, je ne suis pas idiot. Alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, ce qui s'est passé. Sophie? Il s'est rien passé, vous voyez bien qu'elle a échoué, c'est tout. Elle a raison. Je suis désolée. Elle ne le soit pas. C'était couru d'avance. Ce qui me déçoit, c'est que l'idée vienne de toi. Peut-être qu'il n'aime pas les femmes, après tout. Oui, c'est sûrement ça. Mais j'y pense. S'il n'aime pas les femmes... Quoi? Ah non, 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 non. Sans façon, non. Mais comme l'idée était de moi, je fais amende honorable. Je pars comme otage. Vincent, si c'est pour me prouver que tu... Non, ne t'attribue pas des mérites qui ne te reviennent pas. J'en ai assez, c'est tout. À vous de choisir le second. Alors là, franchement, je ne vous croyais pas capable d'un tel geste. Quelle élégance! Venez que je vous embrasse! Ah! Apparemment, vous n'êtes pas volontaire. Non. Pourquoi est-ce que je suis venu? Ma femme est souffrante. Je ne voulais pas quitter la maison. Ils m'ont obligé. Je suis trop bon. Trop bon. Je voulais rester à son chevet. J'avais un livre à finir. C'est pas juste. Pourquoi m'a-t-on invité? Fallait me laisser tranquille. J'aurais dû refuser. On ne tue pas un médecin comme ça. Et que vont devenir mes patients? Hein? En mourant, je laisse derrière moi un nombre de victimes potentielles énorme. Envoyer à la mort un médecin, c'est grave. Et ça vous fait rire, vous? Oh oui. En tout cas, j'espère bien qu'après tout ce que Sophie a subi comme humiliation, vous n'aurez pas le cœur de nous envoyer au peloton. Nous? Sophie a tenté sa chance, elle a échoué, c'est tout. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Comment ça? Mais c'est ma femme que j'ai sacrifiée à Cobard. Parlons-en. C'est ta femme que tu as livrée en pâture et tu voudrais qu'elle te remercie. Tout à l'heure, tu n'as pas prononcé une parole, ni même fait un seul geste pour me retenir. Et mais... maintenant, il faudrait que je te serve d'alibi. Mais c'est de leur faute, ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout a été si vite, si brutal. Je me suis laissé emporter, je ne savais plus quoi faire. Et c'était ton unique chance de salut. Et la tienne aussi. Peut-être la mienne aussi. Tout est pardonnable quand il s'agit de sauver sa vie, non, hein, Sophie? Oui, sûrement. Je n'ai tué ni volé personne. Je mène une vie honnête et tranquille. Sophie et moi, on doit être épargnés. On a un foyer. On va avoir des enfants. Et si je n'ai pas accompli d'acte héroïque, je vais peut-être m'engager dans la résistance. On aura tout entendu. En réalité, on est en plein cœur du maquis. Rassure-toi, Victor, si tu dois y passer ce soir, la résistance te vengera. Oui, riez, riez, mais ne rêve pas trop, Pierre. Si Cobard me choisit, Sophie partira avec moi. Pourquoi ça? Parce qu'elle m'aime. Tu en es sûr?
Il y a trop longtemps que tu ne l'as pas vue. Elle n'a jamais été aussi belle. Depuis notre mariage, elle s'est épanouie, n'est-ce pas, messieurs? Tu ne m'apprends rien, Victor. Sophie, je la connais mieux que toi. Je l'ai connue à l'école, on ne s'est jamais quitté. Et depuis que je suis revenu, on est devenus très proches. Comment ça? Tu m'as parfaitement compris, ne m'oblige pas à devenir grossier. Tu mens! Il ment, Sophie! Elle a avoué devant tout le monde encore... Victor, s'il te plaît! Un peu de dignité. Il a raison, je ne suis pas bien sûr que ce soit le moment de parler de vos... Si. Si, si. Moi, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit à elle? Que tu te sentais seule au monde? Que tu culpabilisais? Ah, parce que toi aussi, de mieux en mieux. Ah, tout de même, ces Allemands, quelle culture! Je l'ai un peu mouché tout à l'heure avec Horace, mais sinon, il faut bien reconnaître qu'il a du répondant. Ravi que tu t'amuses. Sinon, du nouveau? Oh, rien de grave. Françoise est la maîtresse de Pierre, et Sophie, en plus d'être ma femme, a également eu une aventure avec ce Casanova infirme. C'est tout? Comment ça? Ne me dis pas que tu apprends ça aujourd'hui. Moi qui croyais que tu fermais les yeux par élégance, et c'était par bêtise et par faiblesse. Je me demande si je ne ferais pas mieux de t'accompagner. Eh bien voilà, nous non, avons... Non, je n'ai pas dit ça. Malgré ce que vous pouvez penser, Sophie a besoin de moi et moi d'elle. N'est-ce pas, Sophie? Oui, Victor. On tourne en rond, messieurs. Ayez l'élégance de vous retourner sur votre vie. Et vous verrez que ce que vous en avez fait ne vaut pas la peine que vous vous y accrochiez à ce point. À 20 ans, j'ai violé la femme d'un ami. Sincèrement. Je les avais invités tous les deux. Elle est arrivée avant lui. J'ai couché avec elle. Il ne l'a jamais su, elle n'a rien dit. À 22 ans, j'ai failli me marier. Avant de me rendre à la cérémonie, je suis allé acheter une paire de gants. Le vendeur était beau comme un dieu. Finalement, je me suis jamais marié. Puis je vous ai rencontré, Victor. Et Sophie, j'ai désiré ardemment Sophie toute une année. Puis Françoise, tout autant. Hélas, elles étaient déjà mariées. Depuis que vous m'avez présenté André, je cherche une combine pour le rouler. C'est normal, il a de l'argent et c'est un ami. Hélas, je n'ai pas encore trouvé, mais... La semaine dernière, on m'a proposé de faire partie d'un réseau de résistance. J'ai refusé. À l'heure présente, je me sens enthousiaste pour rien. Alors mourir, pourquoi pas? Non. Personne. Personne pour m'accompagner. Soyons logiques pour une fois. On élimine Sophie parce qu'elle a quelqu'un à qui dévouer sa vie. Victor, pour les mêmes raisons. Pierre, parce qu'il a trop donné. Françoise, parce qu'elle est veuve de guerre, que ses parents ont été déportés. Elle mérite plus que nous tous un peu de tranquillité. Et le Toubib, parce qu'il est indispensable à sa clientèle. Il ne reste plus que nous, André. Après vous. Et moi? Moi avec vous? Ah non! Ah non, mon vieux! Vous voyez, personne ne vous retient. Bah oui, mais ils ont tort. Ne comptez pas sur moi. Ça ne sera rien. Une simple formalité. Beaucoup de gens sont morts avant nous. Oui, c'est possible. Mais je ne suis pas amateur. Trouvez quelqu'un d'autre. Je pars avec toi. Quoi? Je préfère mourir plutôt que de vivre avec un type pareil. Je vais prévenir Cobard. Une seconde. Vous trouveriez normal que Pierre m'accompagne? Bah, si ça lui fait plaisir. Nous, on lui a rien demandé. Mais vous êtes un vrai salaud! Salaud, salaud, pas plus qu'un autre! Et pas mieux! Et nous allions comme deux imbéciles nous faire tuer allègrement pour vous! Non!
Je survivrai coûte que coûte. Je suivrai vos conseils. Et à vos dépens, si possible. Docteur, vous pouvez vous asseoir. Je continuerai, malgré ma répugnance, à respirer le même air que vous. Allons, allons, mesurez vos paroles. Sinon, on va finir par se dire des choses désagréables. Les armes, les armes. À bord, les trois, ils arrivent. S'en aller! C'est pas vrai! Cela suffit! Vous avez survécu au bombardement, c'est votre jour de chance, on dirait. Alors, lesquels d'entre vous pour accompagner Monsieur Vincent? Ah, il y a eu du changement, je suis plus volontaire. Ah! Une soudaine envie de vivre, que voulez-vous? Ah, cela ne m'arrange pas, mais c'est votre droit. C'est difficile, vous savez, ami comme on est. Oh, je comprends. Et pourtant, il faut bien. Je vais vous aider à faire votre choix. Connaissez-vous le jeu Blindekuh? Wie heißt das auf Französisch? La vache aveugle. Les enfants qui se cachent les yeux et qui se courent après. Colin Maillard? Ya! Je suppose que vous connaissez tous les règles. Et comme nous n'avons pas de foulard, c'est vous l'aveugle qui allez désigner les otages. Je refuse. Si vous refusez, vous y passez tous. Allons, ne faites pas l'enfant. Mais si c'est lui qui nous chasse, il ne peut pas être désigné comme otage. C'est pas juste. Dans ma grande générosité, j'ai estimé que votre ami avait donné assez pour sa patrie. Cela vous paraît-il juste? Oui. Allez, vous, mettez-vous au centre. Les autres, faites un rang. Venez là. Vous ici. Ah. Vous par là. Un peu d'enthousiasme, c'est un jeu. Oh, oui. Ah, oui, 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 oui. Là. Wunderbar. Avez-vous un dernier souhait à formuler avant que le destin aveugle ne s'abatte sur vous? Que l'Allemagne perde la guerre. Bien. Leur destin est entre vos mains. Ah, 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 non, non, non. Moi, je ne joue pas. Monsieur Victor. Victor, Victor, venez là. Victor. Non. Allez. Et encore un. Ah, interdiction de bouger. Oh non, 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 c'est pas moi, c'est pas juste. Pardon, André. Pardon, qu'est-ce que je peux faire de ton pardon? Est-ce que vous êtes content de votre choix, monsieur Pierre? Je n'ai pas choisi. Il l'a fait exprès. Ne me prenez pas, monsieur Cobard, ne me prenez pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. Je n'ai pas l'âge. Relevez-vous. Je l'ai toujours soutenu. À Hitler. À Hitler. Vous faites honte à votre patrie. Relevez-vous. Non, pas moi. Pas moi. Pourquoi moi? Pourquoi?
Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que le destin s'abatte sur vous sans raison? Au hasard? Comme il s'est abattu sur les deux officiers! Mort sous vos fenêtres, hein? Pourquoi, hein? Pour rien. Mais je ne vais pas être aussi cruel envers vous. Vous êtes tous libres. Comment? C'est une plaisanterie? Je suis joueur, monsieur Vincent, mais je n'aime pas les plaisanteries. Le coupable a été arrêté il y a quelques minutes. Au fait, il se dénonçait de lui-même. Il ne voulait pas que des innocents payent pour lui. Vous voyez bien que nos méthodes ont parfois du bon. Étrange qu'un criminel capable de tuer deux hommes froidement dans le dos, pris de remords, décide de donner sa vie pour sauver celle de parfaits inconnus. Hein? Il y a parfois des choses que je ne m'explique pas. À moins qu'ils ne connaissent quelqu'un dans cet immeuble. À moins que ce paquet que nous avons trouvé sur lui ne vous revienne, Madame Pelletier. Max. Sophie, oui, Max. Vous devriez faire du tri dans vos relations, Monsieur Pelletier. Je vous laisse entre amis. J'espère ne pas avoir trop gâché votre petite fête. Mais rassurez-vous, nous nous reverrons. Auf Wiedersehen. Ah, le salaud! T'attendais à quoi avec eux? Cet enfoiré de Max qui a tous failli nous faire tuer. Il nous a sauvé la vie. Il n'a fait que nous sortir du merdier dans lequel il nous avait mis. Comment tu peux dire ça? Il a raison. Sans lui, tout ça ne serait pas arrivé. Parce que vous croyez vraiment que c'est lui qui les a tués? Imbécile. Il s'est rendu. Et ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Je m'en vais. Ah ben non! Il faut pas partir comme ça! Ce serait trop bête! On va pas se quitter sur une mauvaise impression! Françoise! J'ai bien cru qu'elle allait tous nous faire fusiller quand vous lui avez dit que vous souhaitiez leur défaite! Toubib, partez pas! On n'a pas goûté le gâteau! Pierre! Faites pas l'imbécile! C'est l'anniversaire de Sophie, on n'a pas encore soufflé les bougies! Sophie! Sers donc un verre à tes invités! Victor! Dis-leur de rester, ce sont tes autres, oui ou non? Mais on peut pas se quitter comme ça! C'est un grand jour aujourd'hui! On est vivants! On est tous vivants! Bon. Je vais vous laisser. Je vais y aller. Victor, on est amis? Bien sûr, on est amis. Thank you.
la dernière de ce spectacle. Merci d'être venus si nombreux. On a, sur l'ensemble de toute la présentation, on est à près de 1000 personnes. Donc on est très contents. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Donc à la lumière et au son, on a Grégoire, Jean-Marc, Léo et Bernard. Pour les costumes et les coiffures, on a Joël et Antoinette. L'affiche et la communication, Olivier. Et la mise en scène, donc vous avez remarqué, Claire. Très important, c'est les décors. Ah oui. Pierrot et Christian.